Go. 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 Nothing can stop me, I'm all the way up. Oh. Les gars, c'est Riven, j'espère que vous allez bien. Pour ma ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Aria Clan. C'est mon premier passage sur l'Aria Clan, donc voilà, je vais me présenter avant cela. Je suis un streamer de, de, dans l'Aria Clan, ça fait on va dire 2-3 mois que je suis dedans. Euh, c'est la première fois que je passe et je compte on va dire repasser plus souvent. Donc euh, avant cela, je vous invite à aller checker euh, la description à de la chaîne euh, de la personne qui vous a fait la nouvelle intro que vous avez vu au début de la vidéo. Ça lui ferait vraiment hyper plaisir, donc vous invite à aller checker elle sera dans la description. Très, on va pas parler trop longtemps les gars, on va déjà commencer le sujet Aujourd'hui je vais vous présenter une classe à la couda Qui on va dire, faire, fait pardon, des très très gros ravages Donc euh, j'étais en groupe de 5 euh, sur la map newton je, je crois, ouais c'était newton Avec ma petite couda, c'était ma première game de la journée en plus Voilà, euh, donc sur cette couda les gars, il faut mettre bien sûr euh, une... Poignée parce que vraiment la poignée pour vraiment Être stable et vraiment avoir une bonne précision Sans que l'arme se lève trop c'est vraiment important Ensuite j'étais accompagné de tirs rapides Bon on va pas se le cacher ça n'a atout de connard mais bon si tu veux niquer des mères je te le conseille Ensuite les gars chargez à charge en pour enchaîner longtemps et efficacement Rapidement c'est vraiment très très important Sinon vous aurez vraiment du mal à enchaîner les mecs euh, voilà, je remercie aussi mes alliés qui étaient avec moi, même si, voilà, j'ai eu des randoms, mais vraiment pas possible, le mec, il venait, il prenait le point et tout, c'était un peu dégueulasse, voilà, enfin, il aurait pu être encore plus rapide, mais bon, on a essayé de gérer quand même, euh, j'avais pas le C4, j'aurais pu encore la faire encore plus vite, les gars, avec le C4, parce que, voilà, j'aurais pu vraiment prendre des kills beaucoup plus simples, ça doit être une nucléaire qui a duré, ouais, à peu près 2 minutes, euh, 2 minutes 40 environ, euh, à peu près 160 secondes, encore, bien sûr, euh, voilà, voilà, pour ce qui est des atouts, vous connaissez la base, hein. Pour vraiment bah, pas être en manque de munitions ainsi que post-combustion pour vraiment euh, améliorer vraiment vos, vos jumps, etc., Vra avoir vraiment des bons moves, c'est ce que j'utilise vraiment. Moi, je, personnellement, je joue en placement-déplacement et c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Voilà, voilà. En tout cas, les gars, ça va être déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite à lâcher vraiment 400 likes dans cette vidéo, à vous abonner à l'arrière. On est bientôt à 25k, ça nous ferait vraiment hyper plaisir. On compte sur vous pour voilà partager, liker. Etc. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Revenge le gars, portez-vous bien, ciao!